Ah, ça, c'est l'enfant qui a disparu, ça. Oh là là. Oh les problèmes. Oh les pro... Elle va nous montrer. Alors, je travaille à la réception, moi. En gros, je travaille à la réception, quoi. Ça veut dire quoi? Word. Oui, le mode PS2, effectivement. Merci beaucoup. Word, c'est bizarre. Ok. Donc, il y a l'ascenseur qui déconne. Donc là, je peux m'asseoir. Là, je peux me lever. Quelqu'un a disparu. Lost child. Merde. Ça, c'est pas bon, ça. Ah! C'est Karim. Il revient. Il est de retour. Ah, c'est clairement Karim, hein. Bonjour. Donc ça, c'est, je pense, mon livre de réservation, je pense. Karim! Attendez, est-ce que c'était Karim Musa tout à l'heure? Est-ce que c'était Karim Musa tout à l'heure? Parce que ça voudrait dire que tous leurs univers sont liés. Ils n'avaient pas de nom. Ça serait incroyable. Donc... Karim Musa, room 105. Ok, je check. Karim Musa. Effectivement. Il y est, mais par contre, c'est pas écrit room 105. Hein. Alright, you can go up, sir. Your name is not... Ok. Donc c'est bon, vous pouvez y aller. Merci et bonne nuit. Vous pouvez y aller. Donc en fait, c'est moi qui dis en fait qu'il est en room 105, j'imagine. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas le droit de monter, on est d'accord. On est d'accord. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Il y a Ray dans le livre. Putain. Cet ascenseur va me rendre fou. Il nous emmerde cet ascenseur là. Ah ouais, Ray. Et le dératiseur, il avait un nom ou pas? Je suis angoissée, mais... C'est pas pratique pour prendre le téléphone, là. J'ai pas le droit de monter. J'avais pas fait gaffe que je voyais l'ascenseur. J'avais pas prêté attention. Donc là, on peut voir l'ascenseur d'ici, si jamais. Si jamais il se passe un bail chelou, les gars, quand j'ai peur, je bégaye, c'est horrible. Si jamais il y a un bail chelou, je le vois là, quoi. Oh, je peux turn off. Non, non, j'ai pas turn off. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Oh !
Mais c'est reparti. On y va. Deuxième client de ce soir, les gars. Je donne tout, je donne tout, je donne tout. X l'ascenseur. Bonjour, monsieur. C'est Alan. I'm sleepy. Ok. Est-ce que je peux aller à ma chambre? Donc, c'est Alan Alonso. Donc, Alan Alonso, est-ce qu'on l'a? Allons voir. Alan Alonso, il y est. Il a sa chambre. C'est bon. Allez-y, monsieur. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Faites de beaux rêves. Et faites attention à la marche. On s'emmerde ici quand même. Je donne tout, mais on s'emmerde. Ah, j'essaye de me donner à fond. Là, là. Oh, bah dis donc, attendez, c'est qu'on a du beau monde d'un coup là. Bonjour monsieur. Oh lui, on l'avait vu. On l'avait vu dans le... C'était pas le mec dans le jeu avec le clown là qu'on avait fait, non? Monsieur Scott. Ok, je suis Scott. Il a juste dit Scott, non? Scott T. Scott T. Scott T. Scotty, Scotty, Scotty. Vous voyez un Scott, vous? Moi, je vois pas de Scott, hein. Oh là, oh là 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 là! Il n'y a pas de Scott. Non, 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 monsieur. Je dois bien vous dire que votre nom ne figure pas sur la liste. Oh, sac à merde! Il m'a insulté direct. Il m'a insulté direct, le mec! Petite merde, va! À deux doigts de m'énerver. Il m'a laissé la porte ouverte en plus, celui-là, là. Oh, mais... Oh, merde. Alors là, il y a un problème. C'est bon. Bon, il s'est passé un truc, hein. Je pense qu'il s'est passé un truc. Je pense que le Scott T qui m'a insulté comme une merde, lui, il est sorti et il s'est passé quelque chose dans l'ascenseur. Peut-être. Peut-être. Donc, il s'est peut-être passé une dinguerie. Et qui dit pas que le mec il va revenir avec une arme ou un truc là? Y a quelqu'un? On va essayer de retenir tous les noms en attendant. Ruben, Daniel, Cindy, Rita, Solana, Solano, Karim, Pasquale, Sarah Marquis, Alabias, Samuel, Samantha, Gérald, Ray, John, Laïs, Donizet, Jasmine, John, Jeremiah, Youssef. Patrick, Raphaël, Josh, il y a trop de monde. Marc, Alan, Jackson, James. Oh, Alexander, comment c'est écrit? Je vais m'asseoir, peut-être qu'il va se passer quelque chose à l'ascenseur, parce que là, c'est le calme plein. Mais ça, c'est le genre de jeu, c'est beaucoup trop calme. C'est très très calme, et d'un coup, tu vas te prendre un vire, un retournement de situation, tu vas voir flou, quoi. Je fixe l'ascenseur aussi parce que je me dis on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose à l'ascenseur justement. Mais comme on dit dans le jargon, il s'agit du calme
avant la tempête. The storm is coming, comme on dit, the storm is coming. J'ose pas sortir dehors, hein. Non mais là, faut qu'il y ait des clients qui viennent, parce que moi, j'irai pas mettre mon cul dehors, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, j'irai pas prendre le risque de faire un sursaut et de canner. Ça se trouve, c'est un fou, le mec qui est rentré. Ça se trouve, c'est le tueur, parce qu'on rappelle qu'on a une petite affiche à notre gauche, où il y a écrit « Enfant disparu », c'est ça? On va aller voir dehors, sinon on va aller voir dehors, mais bon. Je peux pas voir dehors. Moi, je peux pas aller très loin. Hop, 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 hop. J'espère que ça n'a pas bugué. Parce que la porte est un petit peu ouverte. Je sais pas si vous le voyez. Et je me dis... J'espère que ça n'a pas fait bugger le jeu. Ta gueule. Merci le japonais pour ton abonnement offert à Dracaris. C'est très gentil. Merci beaucoup pour le sub offert. Ça fait plaisir. Merci du soutien. On sait même pas si c'est une caméra, on voit une image, on voit jamais l'ascenseur s'ouvrir sur l'écran. Je crois qu'on l'a vu une fois s'ouvrir, non? Quoique, t'as raison, imagine, c'est une image. Et je deviens folle, j'ai bossé trop dur. Ça recommence. Oh, c'est reparti. Oh, j'aurais pas dû aller... Quoi? Mais quoi? Mais comme... Mais y'a personne... Mais quoi? Mais attends, bonjour monsieur. C'est Pasquale, on l'avait vu Pasquale, hein. Oui, monsieur Pasquale, on vous a vu tout à l'heure, monsieur Pasquale. Je me souviens de votre nom. Pasquale Salanzo, effectivement, monsieur, je vous ai, il n'y a pas de souci, votre nom est sur la liste, vous pouvez aller dormir. Bonne nuit, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça a des pop. Une personne a des pop, les gars. C'est le dératiseur, ah ouais? Il y a une personne qui a des pop, là. L'ascenseur, 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 l'ascenseur. Hôtel 507, Josh, comment est-ce que je peux vous aider? Alors, oh, la police, le détective Hoffman. Oh là, je vous appelle car on a eu une alerte pour un meurtre. Ça veut dire quoi, on the loose? Non mais ça, c'est pas bon, ça. En fuite, ok, il y a un tueur en fuite. On a appelé tous les hôtels aux alentours et cette personne est vraiment dangereuse. Oh, et ben voilà, les victimes, les enfants. Oh mon dieu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à propos de cette personne? On a une description du suspect. Ah ben Hotel, ça veut dire quoi? J'ai besoin de votre description là. Il est grand. Il est barbu, c'est ça? Oh mon dieu, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bah, c'est bon. Merci d'avoir prévenu, détective. Je garde un œil là-dessus. Faites attention à vous, Josh. Bonne nuit. Bon, on est mort. C'est fini.
grand chauve et barbu. Donc du coup, c'est Pasquale. C'est le mec qu'on a fait passer là il y a quelques instants. Donc là, potentiellement, au KLM, on vient de faire rentrer le tueur en série. Mais tout va bien. Franchement, je trouve que je gère plutôt pas mal la situation. J'ai juste fait rentrer un tueur, c'est tout. Donc on va canner dans 2-3 minutes là, mais... Quelqu'un qui est ici. Attends. Il a dit qu'il allait voir Josh? Il a... Bon, il se passe 10 000 problèmes. Ah, c'est nous, Josh. Ok, je vais devoir y aller. Josh, si quelqu'un me cherche... Non, mais attends. Mais là, c'est le tueur. Mais c'est le tueur qui vient de se barrer là. Non mais. Il y a quand même un état de panique qui s'installe là, non? J'ai l'impression qu'il y a un état de panique qui est en train de s'installer. C'est le tueur, le mec, là! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Problème sur problème dans cette maison, hein. Il n'y a jamais rien qui va, hein. Il n'y a plus personne sur la télé non plus. Ah, ça, c'est l'enfant qui a disparu, ça. Oh là là. Oh les problèmes. Oh les pro... Elle va nous montrer où elle a été tuée. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Elle a été tuée. C'est elle. C'est elle. Je vous dis que c'est elle, elle a été tuée par le mec! J'appelle la police. On va peut-être... Putain, on fait quoi? Moi je suis... C'est fini. Putain. Ben oui. Voilà, préviens la police, c'est très bien. Voilà, détective Hoffman, comment je peux vous aider? Salut détective, c'est Josh, de l'hôtel 616. Je peux pas rotate ma caméra. On va regarder comme ça. Salut Josh, est-ce que vous avez des infos importantes pour moi? En gros, j'ai quelqu'un ici qui correspond à l'assassin, pardon. Et il vient de quitter l'hôtel. Merci pour les infos. Je vais prévenir un ami qui va checker ça. Oh, il est de retour. Il est de retour, sa mère. S'il est de retour avec une valise, c'est que... Oh les problèmes. Oh les problèmes. Bon, c'est la merde. Did something happen, Josh? You look very... Ah. Dites-moi, Josh, vous avez l'air vraiment nerveux. Oh non, ça va. Vous avez marché où? Bon, est-ce que vous êtes sûr que tout est OK? You are sweating. Ça veut dire quoi, sweating? Putain. On va se faire buter. On va se faire buter. La note perso, il est trop stressé. Ah, vous avez... Là, je transpire. Oh! Non, mais ça va. It's okay. Vous inquiétez pas, je suis juste fatiguée. Attends, quoi? I think you're hiding something. C'est quoi? J'ai l'impression que vous cachez quelque chose. Non, 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 non. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde.
Ok, je cache rien du tout, je vous ai déjà dit, tout va bien. Ta gueule! Oh shit, c'est passé à pas grand chose. Bah, il est suspect de ouf. Merci Pepsilex pour ton cinquième mois d'abonnement, comment tu vas? L'ascenseur. Il y a du sang qui provient du haut de l'élévateur. Oh mais c'est... C'est le corps de la gamine! Non mais ça vient pas de ta tête, ça vient pas de ta tête, je pense que... Je pense que le corps est vraiment là. Ah!